Dio anastahili kavumu shangwe kumrudishia. Bwana Mungu abariki kwaya inaimba mzuri sana. Mungu asifiwe. Mungu amibariki. Dio tutafungula ibada ya mangaribi ya leo. Na matendo ya shukrani na mahitaji. Njo kwa maana mbele tunamezamkia nini wote mujina la bei la Bwana la Mwokozi Yesu Kristo. La sœur Bertine Feza demande la prière des saints. Souffre des maux de tête et la vertige. La sœur Salvatrice Mwayuma demande la prière des saints. Dada Salvatrice Mwayuma naye naomba mume ya watakatifu. Souffre des maux de la hanche. Na ye kiuno kiko na muma. Et le bruit dans les oreilles. Na yuko nasikia makelele masikio. Le frère Ezekiel choriste demande la prière des saints. Ndugu Ezekiel mwimbaji anaomba mambo ya watakatifu. Souffre de la malaria. Na ye anatatizo na malaria. Le frère Paulin Mukumbi remercie grandement le Seigneur. Ndugu Paulin Mukumbi anahitaji mambo ya watakatifu. Plus avoir guéri aujourd'hui. Anamshukuru Mungu kwa vile Mungu alimtunza leo. Aux douleurs au cœur. Kwa maumivu ya roho. Après sa prière. Kisha wakati aliomba. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. La sœur Karine Katumbi remercie grandement le Seigneur. Dada Karine Katumbi anashukuru sana Bwana. Pour avoir guéri son enfant. Gracia après la prière des saints. Kwa kutunza mtoto yake gracia kisha maombi ya watakatifu. Et en particulier notre pasteur Albert. Na mkipekee anamshukuru mchungaji wetu Albert. Que Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Ndugu wetu Pole Mukumbi anasema alilamuka tu asubuhi. Notre frère Pole Mukumbi dit qu'il s'est seulement réveillé le matin. Akasikia douleur moyo inakuwa kumpanda paka kuro. Il a senti vraiment une douleur lui monter au cœur. Akujua sema na hii mangaribi atakuwa na kanisa. Il savait même pas qu'il pouvait être ce soir à l'église. Ndio kwa maana alipika tu magoti. C'est pourquoi il s'est seulement agenouillé. Anaomba Mungu. Il a prié Dieu. Wakati aliomba Mungu. Quand il a prié Dieu. Akaanza kushia anakuwa paka changement. Il ne sentait pas de changement toujours. Ah, anaanza kushia paka changement. Il a commencé des changements à sentir des changements. Jusqu'à ce qu'il toka kunyumba na kuya tu kanisa. Jusqu'à ce qu'en venant à l'église. Fika tu hapa njo matunzo inakuwa complet. Arrivé ici à l'église, la guérison était complète. Joka mana anamshukuru Mungu wetu. C'est pourquoi il rend grâce à notre Dieu. Jina lake lisifiwe kabisa. Que son nom soit loué. Bwana Mungu asifiwe. Que le Seigneur Dieu soit loué. Hivi bila kayota simama njoka kusoma neno la Bwana. Et non, sans plus tarder, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Marc chapitre 7. Marco sura ya 7. Verset 20-23. Mustari wa 22 paka 23. Il dit encore. Akasema tena. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Yenye kutoka ndani ya mtu ndio vinamchafulaka. Car kwa maana c'est dit dedans. Ni kutoke mule ndani. C'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Ni muro ya mtu ndio mnatokaka mamawazo mubaya. Les adultères, mabusharati, les impudicités, mabuzinifu, les maîtres, mabuwaji, les vols, mabwizi, les cupidités, matama ya makuta, les méchancetés, mabubaya, la fraude, kuibia, les dérèglements, kujiongoza kubaya, les regards envieux, macho ya kutamani, la calomnie, kupeleka kwa mambo, l'orgueil, kiburi, la folie, majimu. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Ibi bitu byote bibaya binatokea kandani. Et suit l'homme. Na binekalaka binamuchafula mutu. Dio ndugu na dada. C'est vrai frères et sœurs. Joko mana wakati tu unasema. C'est pourquoi lorsque nous parlons.
Ne dis pas que lorsqu'on te porte correction, tu dis que non, je blaguais seulement. C'est-à-dire que ce que tu as dit, c'est ce qui était dans ton cœur. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas t'humilier et demander pardon. Ma soeur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Mon mari, pardonne-moi. Ma femme, pardonne-moi. Parce que ce qui est au-dedans de toi, c'est ce qui va se manifester dehors. C'est pourquoi ce soir, comme nous sommes en présence de Dieu, que chacun rentre en lui-même. Examine tes pensées. Quel est le genre de tes pensées? Dis à Dieu, moi je suis le quoi? En moi toujours quoi, la fraude. Moi je suis un escroc. Umoneshe. Dis-lui, il va te pardonner ce soir. Na umoneshe kusema, hii maisha mishi yataki ya kamwe. Dis-lui que moi je n'aime pas ce genre de vie. Bwana unisaidie. Seigneur, viens-moi en aide. Na atakusaidia mangaribi ya leo. Il va te secourir ce Sabe, soir. Wakati ya maombi. Comme c'est le moment de la prière, Mungu atakusaidia. Dieu va t'aider. Njokona mbele ya kuingia maombi. Et pourquoi avant de prier, tutaimba pamoja na kwaya 179 Wokovu. Nous pouvons chanter avec la chorale 179 Wokovu. Kisha tengia maombi. Après cela, nous allons entrer dans la prière. Kiki utakuwa wapi?
ni makapi yote yatatupwa motoni na tiki utakuwa wapi. Tuombe tukuna dada. Priyo, frères et sœurs.